Enfin, tu vas pouvoir gagner tes premiers 50 000 francs CFA sur Internet. J'ai un incroyable business à partager avec toi. Si tu es en Afrique et que tu as un téléphone portable, tu ne veux pas manquer ça. Tu n'as pas besoin d'une compétence particulière. Pas d'investissement, pas d'affiliation. Tu n'as pas à souscrire à des abonnements premium sur des plateformes. Non, si tu suis actuellement cette vidéo, tu as absolument tout ce qu'il te faut déjà pour gagner de l'argent dès aujourd'hui. Et crois-moi, ce ne sera pas de la supposition parce que je vais te montrer combien j'ai pu générer moi-même avec ce business. Si tu suis mes instructions étape par étape jusqu'à la fin de cette vidéo, tu seras toi-même surpris des résultats absolument surpris. Allez, si tu es prêt, abonne-toi à cette chaîne, like la vidéo, active la cloche de notification et puis on est parti juste après le générique. Une fois encore, salut à vous les gars. Avant toute chose, je tiens à préciser qu'il ne s'agira pas de travailler sur des sites ou des applications qui ne vous récompenseront jamais à votre juste valeur. On va parler de business. Nous allons monter un business A à Z. Je vais monter ce business dans cette vidéo et ensemble, nous allons voir les résultats. Nous allons voir combien je vais pouvoir gagner avec ce business que je vais monter dans cette vidéo. Donc vous avez intérêt à suivre toutes les étapes de cette vidéo parce que je dois vous le rappeler, toutes les étapes seront très indispensables. Avant toute chose, je vais vous montrer combien j'ai généré après avoir essayé le business. Parce que auparavant, j'avais fait le business et ça avait marché. Pour être sûr que le business fonctionne toujours, je vais réessayer afin de pouvoir faire cette vidéo. Donc je vais vous montrer combien j'ai pu gagner en moins d'une semaine. Voilà, je suis dans mon Mobile Money et rassurez-vous, vous allez pouvoir faire vos retraits via Mobile Money, peu importe les moyens. Du retrait que vous voulez, Move, MTN, Orange, Western, même PayPal, en tout cas, ça dépendra de vous-même. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai réussi à gagner 25 000 francs. 25 000 francs CFA, pour moi, ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit, ça ne serait pas petit pour vous aussi quand on débute sur Internet. Gagner 25 000 francs en moins d'une semaine, pour moi, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc, comme je l'avais dit dans l'introduction de la vidéo, tu n'auras pas besoin d'investissement, tu n'auras pas besoin d'abonnement. Si tu suis actuellement cette vidéo, c'est sûr que tu as un téléphone portable, tu as une connexion internet et je t'assure que tu as absolument tout ce qu'il te faut déjà pour gagner aussi de l'argent comme moi. Donc si tu es prêt, allez, nous allons commencer. Alors pour pouvoir gagner de l'argent dans le compte de cette vidéo, nous allons exploiter une niche. C'est quoi une niche? Une niche est juste un segment de marché profitable. C'est un segment de marché que nous allons cibler. Et la niche que nous allons exploiter dans cette vidéo sera les recettes de cuisine. Les recettes de cuisine, ça va vous paraître bizarre, mais je vais vous dire qu'avec cette niche vous allez pouvoir gagner de l'argent et c'est ce que beaucoup ne savent pas. Moi j'essaie juste de faire un peu de différence, un tout petit peu de différence afin de me démarquer des autres. C'est pourquoi j'ai choisi cette niche là et ensemble vous allez voir comment nous allons pouvoir gagner de l'argent avec cette niche. Alors la première des choses, la première étape serait d'aller dans Google Chrome. Une fois ici, vous allez rechercher Pixabay. Pixabay, voilà, Pixabay. Voilà, après avoir recherché Pixabay, vous allez cliquer sur voilà, la première page ici. Alors, c'est quoi Pixabay? Pixabay, c'est un site qui nous donne accès à des milliards de photos et de vidéos gratuitement sans avoir des problèmes de droits d'auteur ou quelque chose comme ça. Donc, une fois ici, vous pouvez vous inscrire ou soit sans, même sans vous inscrire, vous pouvez avoir accès à des photos. Et s'il vous demande de vous inscrire, vous pouvez vous inscrire parce que moi, je me suis déjà inscrit. C'est totalement gratuit. Et une fois ici, vous allez cliquer sur « Chercher ». Vous allez chercher cuisine africaine. Cuisine africaine. Voilà. Vous recherchez cuisine africaine et vous aurez des tonnes d'images. Vous aurez beaucoup d'images. Téléchargez le plus grand nombre d'images. Voilà, vous téléchargez le plus grand nombre d'images. Il suffit juste de faire un appui long sur l'image, de venir ici et vous allez voir l'option télécharger. Vous cliquez dessus pour télécharger. Et comme ça, vous téléchargez beaucoup, beaucoup d'images. Vous voyez les plus belles images de mai, comme ça, vous voyez. Très intéressant, vous faites tout beaucoup de téléchargements. Vous pouvez également venir ici, choisir vidéo. Vous choisissez également des vidéos. Là, vous aurez accès à de courtes vidéos que vous pouvez télécharger. Une fois le téléchargement fait, vous allez faire un retour. Suivez toutes les étapes, les gars. Bien. Après avoir téléchargé les photos et même les vidéos sur Pixabay, vous allez revenir dans Google et là, vous allez rechercher recette africaine. PDF gratuit, voilà, et là vous laissez les premiers PDF que vous voyez, vous laissez tout
vous laissez carrément tout, et là vous venez en bas. Vous essayez de télécharger par exemple celle-ci ou encore celle-ci. Voilà. Ou encore essayez de voir, aller un peu en bas et télécharger jusqu'à 5 comme ça. Voilà. Vous téléchargez jusqu'à 5. Et une fois vous téléchargez, par exemple, je prends celle-ci que moi j'ai téléchargée. Voilà, et vous l'ouvrez. Vous l'ouvrez. Word. Vous allez dans WPS Office. Vous allez dans Word. Vous voyez, il y a tellement de bonnes recettes africaines ici. Vous pouvez également télécharger ces images. Ben, extraire l'image. Vous cliquez dessus. Ou extraire aussi ces images. Vous voyez. Pour extraire l'image. Ouais, vous cliquez également ici. Sur cette image. Pour extraire également l'image. Voilà, vous cliquez. Vous faites appui long. Là, vous allez pouvoir extraire l'image. Vous voyez. Voilà. Donc une fois c'est fait, vous essayez d'apporter quelques modifications aux tests qui sont ici. Et voilà, vous prenez encore un autre PDF que vous avez téléchargé, vous essayez de rajouter encore. Vous combinez jusqu'à 3 PDF comme ça. Vous le faites, il suffit juste de cliquer dans modifier ici. Et là, vous avez la possibilité d'ajouter, vous allez ajouter quelques images que nous avions téléchargées sur Pixabay. Vous allez ajouter encore quelques images ici. Voilà, vous pouvez essayer d'ajouter quelques-unes. Pour le faire, il suffit juste de cliquer ici, en haut ici, vous cliquez ici, là où il y a un plus, là, insérer une image, et comme cela ici, vous voyez, je vais insérer cette image, je vais insérer par exemple cette image, celle-ci, les images que nous avions téléchargées, et là je mets OK, mes trois images, là, je fais OK, vous voyez, et là, j'ai mes images, je peux les déplacer, comme vous pouvez le voir, je vais le faire rapidement. Voilà. Vous devez faire de telle sorte que vous devez avoir un document personnalisé. Voilà. Donc, vous allez le faire. Et une fois encore, vous prenez encore notre PDF, et vous essayez d'apporter quelques modifications comme ça. Après ça, nous allons aller à une autre étape. L'étape suivante est de télécharger InShot. Si vous ne connaissez pas InShot, c'est une application qui vous permet de monter des vidéos et des photos gratuitement. Même hors connexion, vous pouvez modifier, monter des vidéos. Donc, ce que nous allons faire, c'est je vais éteindre ma connexion, aller dans InShot. Moi, je préfère InShot parce qu'on peut le faire hors connexion. Mais si vous connaissez CapCut, voilà, vous pouvez également le faire avec CapCut. Vous avez tout le choix. Bien. Donc, je vais aller dans InShot, vidéo nouveau. Et là, vous choisissez plusieurs photos, toutes les photos que nous avions eu à télécharger. Vous choisissez toutes ces photos. Et même si vous avez téléchargé des vidéos, vous pouvez les choisir aussi. Et là, vous cliquez sur ici. Une fois ici, vous allez dans Toile. Et là, vous venez ici, vous allez voir TikTok ici. Vous voyez TikTok ici. Voilà, vous choisissez TikTok. Et comme cela, vous avez une résolution TikTok. Il y a les transitions que vous pouvez mettre ici. Voilà, essayez de mettre des transitions. Ici, des transitions. Vous voyez, les transitions. À chaque fois, vous mettez des transitions. Ici, vous mettez des transitions. Voilà. À tous les endroits, vous mettez des transitions. Je crois que InShot, c'est vraiment facile. Vous mettez des transitions. Et vous venez dans musique ici. Vous choisissez une musique. Les musiques sont gratuites là, libre de droit. Moi j'ai déjà des musiques favoris. Donc, je choisis par exemple cette musique. Je clique sur éditer. Je diminue le volume. Voilà. Et comme ça, comme vous pouvez le voir, je peux dupliquer. Je peux dupliquer par exemple chaque photo. Je clique ici sur dupliquer. Je clique ici sur dupliquer. Voilà. Pour avoir une vidéo de moins une minute. Voilà. Et une fois ici, vous pouvez cliquer encore sur musique. Et cliquer ici sur enregistrer pour enregistrer votre voix. Et qu'est-ce que vous avez sur l'image qui défile? Vous allez dire que voilà, 20 meilleures recettes de cuisine. 20 meilleures recettes de cuisine africaine disponibles. Bien détaillées, bien précises. À un bon prix. Disponible à un bon prix. Ou soit ce que moi je vous conseille, c'est de mettre des sous-titres. Meilleure recette de cuisine. Oui, 10 meilleures recettes de cuisine. 10 meilleures recettes de cuisine.
Voilà. Vous mettez des tests, moi je vais essayer de mettre des tests rapidement. Voilà, donc j'ai essayé quelque chose, j'ai essayé de mettre le test de pas et d'autres. J'ai essayé de mettre le test de pas et d'autres. Voilà, j'ai essayé de mettre le test de pas et d'autres. Et comme ça, la vidéo est prête. Et je clique sur sauvegarder. Je clique sur sauvegarder. Pour sauvegarder la vidéo. Voilà. Vous allez voir, en quelques minutes, en quelques secondes, la vidéo va être prête. Alors, en attendant que la vidéo se charge, si jusqu'ici tu as appris quelque chose, je te prie de prendre un temps pour t'abonner à cette chaîne, pour activer la cloche de notification et aime cette vidéo. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas voir combien j'ai pu gagner. Alors, une fois notre vidéo est prête, nous allons aller sur TikTok. Bien, une fois sur TikTok, nous allons publier la vidéo. Il suffit juste de créer un compte pour pouvoir publier la vidéo. Vous pouvez créer votre compte rien qu'avec votre mail. Vous cliquez sur plus, cliquez ici. Et là, je vais cliquer sur la vidéo que nous venons de faire. Je vais poster la vidéo. Voilà, une fois ici, je vais cliquer sur suivant. Suivant. Et cliquer sur test. Et tout ce que nous avons à mettre ici, c'est contactez-moi. Contactez-moi via WhatsApp. Et là, je vais mettre mon numéro WhatsApp. Mettez votre WhatsApp sur la vidéo encore en commentaire. Et une fois c'est fait, vous voulez ne surchargez pas trop. Vous voyez comment la vidéo est belle. Et une fois c'est fait, vous cliquez sur suivant. Cliquez sur suivant pour pouvoir publier la vidéo. Donc vous allez tout autoriser et après ça vous publiez la vidéo. Voilà. Donc notre vidéo elle est publiée. Je vais revenir. Notre vidéo elle est publiée. Je vais revenir alors le lendemain. Je vais continuer la vidéo le lendemain pour voir combien j'ai pu, si j'ai eu des clients, si j'ai eu des gens qui sont intéressés. Et ensemble nous allons voir comment ça va se passer, la vente et tout. Alors, si vous voulez avoir plus de revenus, vous pouvez reposter la vidéo sur Facebook ou reposter dans les groupes Facebook. Et je vous assure que vous allez avoir plusieurs clients. Alors, la méthode pour gagner beaucoup d'argent, je vais vous le dire en fin de vidéo. Donc, vous avez intérêt à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors, les amis, nous sommes déjà au lendemain et j'ai eu pas mal de gens qui m'ont contacté parce que comme c'est un nouveau compte TikTok, essaie de proposer la vidéo à un maximum de personnes. C'est l'algorithme des réseaux sociaux. Donc, j'ai eu quelques contacts. Vous allez voir dans mon WhatsApp. Vous allez essayer de voir dans mon WhatsApp. Voilà, quelques gens m'ont contacté. Certaines personnes m'ont contacté. Alors, je suis entré dans cette discussion que j'ai eu avec un client. Vous allez voir. Et celui-ci a accepté de payer le document à 10 dollars. Je dois vous avouer, moi, avant de faire cette vidéo, j'ai déjà fait plusieurs documents sur la même thématique, sur les recettes de cuisine. J'ai fait plusieurs documents sur plusieurs recettes de cuisine. Et ce monsieur-là a accepté de prendre tous les documents à 10 dollars. Voilà, à 10 dollars qu'il a voulu envoyer via Western. Certes, ce n'est pas encore reçu le paiement, mais il a promis envoyer. Donc, pour le moment, c'est la seule personne qui a acheté réellement le produit. Ce que je vous conseille, c'est d'envoyer d'abord le fichier à la personne avant de demander de l'argent parce que vous devez gagner la confiance du client. Si vous ne gagnez pas sa confiance, c'est clair qu'il ne va pas vous envoyer pour acheter votre produit. Donc, c'est ce que moi j'ai réalisé. Disons, j'ai gagné 10 dollars en un jour. Imaginez que demain, j'arrive encore à vendre ce même document à 10 dollars, ainsi de suite, je vais quand même pouvoir gagner pas mal d'argent. Donc, les amis, c'est le business que j'ai voulu présenter avec vous. Je crois que vous pouvez de l'argent. Alors, comment vous pouvez faire si vous avez si vous êtes par exemple au Cameroun, au Congo et que vous avez des clients dans votre pays, le paiement est facile. Le paiement est très facile. Alors, je vous disais en début de vidéo que je vais vous dire comment j'ai pu recevoir 25 000 francs
juste avec une seule, en une seule transaction. Alors, moi, j'ai des correspondants dans des pays comme le Cameroun, le Congo. Donc, vu que moi, je ne suis pas dans ces pays, quand je reçois des ventes dans ces pays, alors mes correspondants reçoivent l'argent, je leur donne leur numéro, ils reçoivent l'argent. Et donc, eux, ils me refont le transfert. Ils me refont le transfert. Donc, c'est comme ça, moi, je fais complètement. Donc, ces 10 dollars, je peux le recevoir via Western, ou si vous voulez, vous pouvez recevoir votre argent via crypto, ou peu importe le moyen que vous voulez. De toutes les façons, le moyen de paiement ne serait pas un problème. Essayez de mettre à votre disposition tous les moyens de transfert qu'il faut. Donc, je vais vous donner l'astuce qui va permettre de tripler vos revenus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez mettre à votre disposition, utiliser plusieurs niches et créer plusieurs comptes TikTok, créer des pages Facebook. Vous pouvez par exemple utiliser le fitness, la musculation. Vous voyez un peu, vous pouvez exploiter plusieurs niches. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo précédente, la vidéo intitulée « Comment gagner 16 000 francs CFA sur Internet par jour », je vous mets le lien en description. Alors, nous avons exploité dans cette vidéo une autre niche particulière avec des preuves de paiement à l'appui. Donc, si vous voulez toujours gagner de l'argent, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Et pourquoi pas, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour me soutenir et liker la vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.